Et nous revoici en live pour la suite des aventures de nos héros. Vous le voyez, le vote est là. Attendez. Non. Là, par là. J'ai du mal à chaque fois avec, avec l'exercice de caméra. Donc de ce côté, le vote est là. Vous pouvez voter, hein, pour l'instant. Il y a 13 votes. Pour l'instant, le non l'emporte. On les retrouve tout de suite. Tandis que, voilà, ils ont pas fini de s'amuser avec les avec les caméras, apparemment. Oui. Mon Dieu. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, non, juste, j'étais en train de juger Lucien qui vient de faire une... Une erreur. Une... Ah ouais, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Hein. Ah, c'est une pub au tacos, au passage. Ouais, bah, ça va pas être une bonne pub, je crois. Aïe, aïe, aïe. La prochaine fois, t'es région parisienne, Lucien, la prochaine fois, on arrange et on demande à Comet de faire deux assiettes, une pour toi et une pour moi. Ah bah, je préférerais, ouais, je pense. C'est quoi le résultat du vote, alors? J'ai pas vu. Sacrifice c'est de en la cours. Famille. C'est en cours. Ah, ah, Kyriel est parti. Ah, voilà, super. On a perdu Kyriel. Ça y est. Ah bah, c'était le sacrifice de la famille, hein, voilà. Magnifique. C'était le plot toujours, twist. Attention, on est à 50-50. Elle a fait peur. Ah, on est sur du 50-50. Hein. On est sur du 50-50. Là, j'ai envie de voter, mais tout le monde va avoir mon vote. Moi, je vote pas pour pas déséquilibrer. Et invoquer la puissance du brium du chat. Si vous votez, on le fera de manière roleplay, en mode vous vous retournez et vous le voyez en train de taper un SMS et ils sont... T'es sérieux? On m'a dit la population, pas les super-héros de Chicago. Et merde. Ok. Du coup, eh bien, nous reprenons là où vous en étiez, à savoir que vous avez eu cette rediffusion qui vous a été donnée par Tracker. Je vous laisse du coup me dire ce que vous en pensez et ce que vous envisagez pour la suite. Et je vous vois dans le chat, hein. Personne touche au vote parce qu'on est à 50%. La conclusion, je l'ai aussi, si jamais c'est 50%. Et pour y réfléchir, ça ne marchera plus. Moi, j'ai une petite question pour être sûr d'avoir bien compris ce que j'ai entendu. Les victimes sont au-dessus de bacs d'acide, on est d'accord ? C'est ça, tout à fait. Ils sont okay. Suspendus au-dessus de bacs d'acide, reliés à une sorte de balance, on va dire, qui fait un peu le poids entre les deux. Alors évidemment, du côté de la mer, le poids a été rajouté pour équilibrer un peu le poids des enfants, mais voilà. Ouais. C'est le marais qui est dans le coup. Okay. Et ce qu'on voit, c'est en extérieur ou en intérieur? C'est en intérieur. Ça a l'air d'être plutôt sombre et... Vous entendez d'ailleurs Tracker qui vous dit je vais essayer de décomposer un peu la vidéo pour trouver des indices. Ouais, le son et l'image. Et moi, quand je conduis, je conduis un peu naturellement vers le port, enfin la zone industrielle. Parce que je pense que mon petit doigt me dit que c'est par là, mais voilà. Okay. On ne le contredit pas. Est-ce que... Mon petit doigt... Moi, j'aimerais, si possible... Vas-y. Kyriel ? On t'entend pas, plus. Ah. Ah, si, c'est ah, bon. Ah, bah voilà. Tu parlais pas, c'est ça ? Ah, non ? Non, toujours pas, là. Là, on t'entend pas. On a entendu le A ? Bref, du coup, Lucien, tu disais quelque chose. Ouais, j'aimerais sortir du véhicule. Il est en marche ? Ah, oui, stop. Il est en route. Non, mais au pire, il vole. Est-ce qu'il y a un toit ouvrant ? Est-ce qu'il y a un toit ouvrant ? J'ouvre la porte. J'active le toit ouvrant et je nous, sors on se fait éclater du coup. Pour non, ce que je voudrais faire, c'est D-Heavy, lance des sondes et repère-moi dans la ville une concentration exagérément forte d'acide. Elle peut faire okay. ça Peut-être. Heavy Evie te dit... analyse en cours. Ouvre le méchant. Analyse en cours. Hack de satellite en cours. D'accord. Parfait. Est-ce non mais qu'il attends, est... attends. J'ai une vraie idée plus maligne. Hack, pas de satellite, mais de... vous savez, les choses qui analysent la qualité de l'air dans la ville. Genre la pollution de l'air, etc. Le ballon météo. Ouais. Ouais. Et je pense que c'est assez répandu dans une grande ville comme Chicago.
et voilà, d'essayer de récupérer les données de ça et de se focaliser sur la concentration d'acide. Ouais. Alors, première chose, d'abord, comme vous avez tous passé la première phase de scénario, je vous accorde à tous un point supplémentaire de pression. Et du coup, Lucien, pour également cette suggestion, tu as un point de pression. Je suis à 4 points, là. Question oui, de rappel. Oui, du coup, Kyrel. Vas-y, vas-y. Oui, on m'entend ? Oui. Oui. Allô ? Ouais. Ok. C'était la première question. Deuxième question, Kagirl va dire... il faut laisser aucune piste de côté. Est-ce qu'on pourrait brancher la Sibylle sur la radio de la police et entendre ce qu'ils entendent? Peut-être qu'on aura des informations. Et dernière question qui s'adresse plutôt au MJ, est-ce qu'il diffuse encore? Il continue à diffuser le... Non, il a arrêté de diffuser. À la place, il y a un espèce de compte à rebours qui indique 15 minutes. Et ça indique pas les scores, du coup? Si, il y a aussi les scores en dessous, mais il y a surtout un compte à rebours. Ok, je vais demander à... Pour l'instant, le Will l'emporte. Ok, je vais demander à Night Riot son téléphone, et dès que le... Si... Je vais essayer d'équilibrer, en fait, je vais dire, c'est ton forfait, c'est toi qui as le plus de forfait. Et en fait, je vais dire, moi je m'occupe d'équilibrer, vous nous emmenez là où il y a quelque chose à faire. Tant que ça sera à l'équilibre, peut-être qu'il n'arrivera pas à se décider, tant qu'il aura du suspense... j'essaie de faire de la psychologie inversée et je me dis que ce gars-là, il se régale du suspense, quoi. Et donc, je vais essayer de faire passer l'un devant, l'autre devant, l'un devant, et je vais occuper, tant qu'on n'a pas besoin de moi pour autre chose, je vais dépenser tout le forfait de Night Riot là-dedans. Ah ouais, donc, genre vraiment un c'est un bot naturel. Ouais, en tout cas, je vais donner tout ce que j'ai. C'est un forfait, excusez-moi, mais à la Belge, où on paye encore... Je suis bien passé pour savoir. En gros, voilà, je pars du principe que ce genre de gars-là, si c'est trop tranché, il va accélérer le mouvement, et que si jamais il y a du suspense entre guillemets, comme il est un peu tordu. C'est un peu risqué comme pari. Hein. Tu te dis pas qu'il va peut-être tuer les deux? Non, mais c'est sûr. Non, le but c'est pas de faire l'égalité. Le but c'est pas de faire l'égalité, c'est de passer l'un et d'attendre de voir si l'autre monte, repasser l'un, tu vois. Pour qu'il rajoute, si jamais 15 minutes passent, il rajoutera peut-être en se disant que c'est drôle à voir. Ouais, c'est risqué, mais ok, bon. Bah, de toute façon, on n'a pas mieux à faire. Non, mais je pense que le mieux, c'est que tu t'occupes l'esprit. Moi, j'accélère. Moi, j'accélère. Voilà. Et je dis, ça peut quand même marcher. Et du coup, j'ai une positive. J'essaie de faire genre, je suis convaincue alors que pas du tout. Au niveau des satellites, donc avec Evie. Et au niveau de tracker, donc il y a Evie qui signale qu'effectivement il y a un emplacement. Alors je vais vous montrer sur la carte de Chicago où elle détecte ça. En gros, elle détecte que donc dans Lincoln Park, il y a une rivière qui passe. Qui vient se jeter dans le lac, et que le long de cette rivière semble y avoir effectivement une concentration des flux acides à cet endroit-là. Dans la zone industrielle. Ouais, c'est ça. Et Tracker vous permet d'être un peu plus précis. Puisqu'il vous informe aussi que il a repéré une antenne relais par lequel semble être venu le signal de diffusion. Okay. Bah on fonce. Et barbé sur le GPS automatiquement. Qui est à une adresse en particulier. Smash, c'est où aller. Bah let's go. Ok. On a toujours le téléphone avec. Moi pour nous motiver, je chante le libre national. On a toujours le numéro dernier numéro appelé là dans le téléphone. Parce que j'ai pas oublié mon idée de déconcentrer le gars pendant qu'on va attaquer. C'est toi qui as gardé le téléphone. C'était un numéro inconnu, mais ouais. Oui, c'était toujours l'histoire du numéro inconnu, mais ouais, ouais. Étoile, ouais. Tout à fait. En tout cas, on pourra toujours essayer, quoi. Vous foncez, et jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, Smash, tu vois un peu au loin, tandis que t'es en train de conduire, une zone où il y a des fourgons aussi qui sont autour d'un entrepôt. Je vais vous montrer cet entrepôt en question. Ouh.
Aïe aïe aïe. Alors, hop. Hein. Alors, c'est pas une map complète, mais c'est juste pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Hop. Hein. Voilà. Vieil entrepôt, vieil entrepôt un peu délabré, avec effectivement une antenne relais juste à côté. Okay. Et vous voyez qu'il y a des hommes qui semblent armés un peu tout autour de cet entrepôt. Pour je l'instant, pense que c'est vous, pas là. Vous avez pas arrêté la voiture. Allons-nous-en. Attends, il y a des hommes. Nous loin, il y a combien d'armes ? Ils sont combien armés ? Ils sont sur le trottoir, ils sont devant le bâtiment, quoi. Ils sont autour du bâtiment un peu et vous en voyez bien là, une vingtaine. Je fais semblant de passer devant. Que tout le monde voit bien la scène, et après je drift au bout de la rue et j'accélère pour faire un bowling dans les mecs. Je vais leur foncer dedans direct. Ok. Et donc ça du marche. Coup, moi je vérifie que j'ai bien branché ma ceinture. Je vais rappeler si on voulait rentrer discrètement du coup. Est-ce que moi la discrétion avec Smash. Apparemment on n'a pas eu le temps d'en parler en équipe. C'est ça. Ah bah j'étais brûlé, je fonce dans le tas. C'est mon est-ce personnage. Qu'on sait que ça fait partie de son modus operandi ce genre de truc. Oui, j'ai déjà fait ça. Je vous ai déjà fait dans ça. Dans ce cas-là, au moment où tu fais ton drift, ton demi-tour, moi je sors de la caisse et je pars en l'air. Moi je m'accroche au pied du maniaque et je pars avec lui. Je suis la nuit. Je prends mon modificateur de voix. Je sors mon opinel et je suis en position. Non, mais tu sais quoi ? C'est une manuelle ou c'est une. Bah, on s'en fout, c'est pareil. Bah, j'active le frein à main, il peut pas redémarrer. Donc, comme ça, il s'arrête là où on est. Je lui fais non, pas cette fois. Cette fois, non, on y va discrètement. Tu arrêtes à foncer dans le tas là. Le but, c'est faut qu'on sauve la famille. S'il nous voit arriver, il va tuer tout le monde directement. Donc, pas cette fois. Oh, mais tu peux foncer dans le tas tout seul après, mais pas avec la voiture. Attends, je retire mon casque, j'enlève mes AirPods. Je fais qu'est-ce qui t'arrive là ? Pourquoi t'as mis le frein à main ? Je lui refais le même qu'est-ce qui se passe là ? Je dis, cette fois, on sait qu'il y a des gens en danger qui peuvent mourir en deux secondes s'ils coupent la corde ou quoi. Donc, on fonce pas dans le tas avec le véhicule. Ouais, bah, même si je sais que tu adores faire que. Oh. Maniaque répare la voiture tout le temps, pas cette fois. On y moi, va un peu coup, plus discrètement. Je vais proposer au groupe si ça leur va, vu que je suis celle qui a peut-être la tenue, on la plus passe partout. Ah, ils sont vraiment partis les autres. J'imagine. Ok. Moi, je suis en l'air. Avec, vu que je suis celle qui a la tenue la plus passe partout, on va dire voilà. la plus civile, je vais leur dire, je vais essayer de détourner leur attention si vous voulez pendant que. Soit vous les neutralisez, soit vous vous infiltrez à l'intérieur. Ouais. J'ai après... toujours quelques calendriers à vendre. je sors mes calendriers. Je sais pas à quel mois de l'année on est. Si on n'est pas dans un mois crédible pour les calendriers, j'ai des tickets de tombola. Yes. Bon, on est au mois de février, à peu près. Ok, alors j'ai des tickets de tombola pour les vacances d'hiver. Le gros lot, c'est des vacances au ski. Dans le Colorado, pas du tout. Ah oui, oui, bien sûr. Voilà. Je vais descendre de la voiture et en sifflotant un air bien de chez les Chica Cats, je vais jusque là où il y a les hommes armés. Et en fait, je vais faire genre, je m'arrête devant chaque maison et je suis déçue parce qu'en fait, c'est que des maisons délabrées par ici. Et du coup, je vais les voir. C'est une zone industrielle, hein, littéralement. Ouais, voilà, il y a juste personne. Et du coup, je viens les voir et je dis excusez-moi, vous voudriez pas m'acheter quelques tickets, s'il vous plaît. J'ai eu cette zone-là, c'est la pire pour vendre des tickets. Si je rentre Fais-moi avec rien. Un super jet de social. moi, j'ai mon gun qui est chargé et tout. Là. Est-ce que je peux ajouter se faire des amis ? Tu peux tenter. Ok. Attention, je pars du principe que si tu réussis trop fort, ils vont reconnaître que t'es K-girl. Ah non, merde. Oh, c'est pas grave, je suis... Ah oui, c'est grave, c'est méchant. Super <la vieille. rire> <Okay. rire> Non, moi je m'en fous. Hein. Moi j'ai une question pour Maniaque entre-temps. Ouais. Plus 6 pour se faire des amis encore. Donc 21. Maniaque, tu avais un objectif de t'arrêter quelque part ? Non, la lune. C'est ça, j'allais dire. The moon. le ciel est la limite ? Non. vers l'infini et au-delà, c'est ça que je voulais dire. Non. T'as vu, je suis fort en blague. Hein. Il a des stats en social. Je me mets en stationnaire, pas très haut au-dessus
du bâtiment. Mm-hmm. Et je suis en train de scanner s'il y a des gardes sur le toit. Bah écoute, effectivement, je me mets en vision nocturne pour essayer de mieux que nocturne, thermique. Infrarouge. Ah, thermique. Ouais. Wow. Tu remarques qu'il y a personne sur le toit, étonnamment. Ils ont pas ciblé le toit spécifiquement, ils sont plutôt autour du bâtiment. Et y en a à différents étages dans le bâtiment, par contre. Eh ben, j'oublie de donner l'information et directement je me dirige vers le toit. Je croyais que t'allais le jeter en mettant un coup de pied en l'air, genre. C'est bon, y a personne, vas-y, descends là, c'est je ton arrêt. Je suis la nuit. Je suis la terreur. Donc moi j'essaye de tenir la jambe aux 2-3 qui sont devant la porte. Et je vois peut-être Smash et Liberty arriver. Bah, du coup, moi, je dis à Smash, vas-y, viens, on se gare un peu pour pas qu'ils voient qu'on sort de la voiture, même si, bon, de toute façon, maintenant, la discrétion est importante. T'en as un qui... Là. Du coup, K-Girl, t'en as un qui est devant toi, qui s'approche de toi, il a son arme en main. Il y a deux autres gars autour. Je fais mine d'être impressionné parce que je suis un peu impressionné. Tu vois tous les autres derrière aussi. Ouais, je fais mine d'être impressionné. Et il approche, il fait... Il approche, il fait « T'es pas un peu jeune pour vendre des chocolats ou des calendriers ou des billets de tombola ?» T'es pas un peu vieille, pardon, pour ça. Ouais, parce que je me disais « C'est chelou, c'est jeune, pourquoi jeune ?» Je me suis gouré. C'est parce que... C'est dans l'autre sens. C'est parce que je suis chef d'équipe, on m'a fait redoubler plusieurs fois. J'ai pas encore eu mon badge et c'est pour ça que c'est moi qui ai les zones les plus difficiles. Vous savez qu'il y a un parcours en ski à gagner ? Vous avez l'air d'avoir tu sais comment on les appelle les gens comme toi soleil. Tu sais, je recule, tu sais comment je recule on les appelle les gens comme toi c'est des fouineuses je recule agressif. Petit à petit et le but c'est que pour m'agresser justement verbalement il est obligé de s'éloigner de son poste mais attends nous on est encore dans la bagnole c'est vrai bah, du coup elle est partie en avant ouais. Donc là elle est en train de faire sa scène avant il dit ça ouais. Je me retourne et là, je trace il commence à vouloir te choper alors il te tire pas dessus mais il te court après pour essayer de te choper bon, ouais, c'est là, c'est j'esquive et je trace et smash. Mon but c'est de les emmoigner à l'opposé de là où il y a la voiture si je lui tape deux fois sur l'épaule c'est bon vas-y vas-y ah, moi je desserre le frein c'est un jet physique s'il te plaît non moi je suis sortie de la voiture alors avant que tu fasses maintenant, je t'ai tiré après les descentes de la voiture. Je trace parce que il va foncer dans le tas, il va écraser Kiger en même temps. Je trace parce que je me dis que ceux qui me poursuivent sont ça de moins auprès de la baraque, donc je m'enfuis. Mm-hmm. Et je vais essayer de les perdre dans les dédales. Je suis sans doute beaucoup plus agile qu'eux. Je te demande toujours un jet de physique. Je vais pas changer là-dessus. Attends, c'était je me rappelle tenté, plus quels sont mes stats en physique. Lucien, t'es à 5 points, toi, déjà, en jauge d'adrénaline, c'est ça ? Absolument, ma jauge est pleine. Ok. Je ne dirais pas, mais je vais penser très fort. Et pendant que je cours, je me dis, t'as fait exactement ce qu'il fallait, Kelly. T'as fait exactement ce qu'il fallait. T'es en train de sauver des innocents et tu éloignes les méchants des gentils. Et du coup, j'essaie de positiver. Et t'as fait combien ? Et 10. 10 et si je positive, ça fait plus 7. Ouais, c'est un peu limite hein, quand même le essayer de positiver là-dessus pour essayer de courir plus vite. Là, je t'ai si, accordé je m'encourage beaucoup de choses, moi-même. Mais pas ça. Est-ce que si je sors mes deux énormes flingues à billets en l'air, que je vais. Est-ce que ça peut pas influencer un peu là bah, le truc, c'est qu'elle est pas partie vers toi. Non, t'es pas du tout vers moi. T'es sur le toit, toi. Toi, t'es sur le toit pour l'instant. Ok. Bon, en tout cas, je cours le plus vite que je peux, le plus loin possible. Un premier, t'avais raté complètement. Il s'était écroulé par terre. Le deuxième, t'as chopé. Et il a réussi et il t'a mis un coup sur la tête. Du coup, tu perds un point de résistance. Mais Smash arrive. Avec sa voiture. Et il te chope et il te ramène vers l'entrepôt. Smash, que fais-tu exactement avec la voiture ? Je me débat et je l'engueule. Je dis mais vous pouvez pas m'embêter comme ça. De toute façon, je suis plus dans vous la voiture. Vous avez pas été aimé dans votre enfance. Non, moi, je suis plus dedans. Après, je sais plus. Dès que t'es descendu de la voiture, même à travers mon casque, tu devines un clin d'œil et je desserre le frein à main et je fais crisser les pneus. Donc je considère je que tant que t'es pas hors de la voiture, tu es toujours en danger. Donc. Je vais essayer de cartonner les gens qui poursuivent K-Girl. Ça marche, je pense. Moi, j'entends le bruit caractéristique de la voiture et je me tourne vers eux et en fait, j'essaye de faire en sorte qu'ils voient pas la voiture arriver
et de le placer entre la voiture et moi. Genre, comme okay. Je me débats, tu vois, et j'entends la voiture, je sais ce qui se prépare parce que je connais Smash. Je vais demander un gène mental à tous les deux. Je vais demander un gène mental à tous les deux. Est-ce que okay, c'est du travail d'équipe? Est-ce que c'est la force du collectif? Putain, mais vous avez pas concerté avant, ça va être compliqué. Malgré lui. Non, mais dans l'édition précédente, ça avait bien fonctionné de gratter comme ça. 19 plus 5. 19 pour Smash, ok. Plus 5. Hein. 11, ça marche, plus 5. Ça marche. Très bien. Et combien, Kyler? 11. 11, ok. 13 moins 2. J'ai pas beaucoup de mental. Smash déboule à pleine vitesse, à pleine balle. Il lâche un drift au dernier moment pour envoyer valser les mecs qui sont à tes trousses. Il en envoie valser, bon, manque de bol, toi tu te manques un peu, tu te chopes un peu le pare-choc à l'arrière, donc t'es un petit peu éjecté avec, tu perds un autre point de résistance. Et là Smash il était super content, il fait surprise motherfucker. Non, je descends de la voiture, je regarde s'ils sont encore en vie les gars là, ils peuvent plus marcher, on est d'accord. Ils sont complètement sonnés au sol, okay. Y en a un qui a la jambe qui est pas dans le bon sens, l'autre c'est le bras. J'ai un petit rituel quand c'est comme ça, je me dirige vers ces personnes là et vu qu'ils ont plus l'air de pouvoir marcher ou du moins se déplacer, je fais au moins le réflexe de leur péter la mâchoire pour qu'elles évitent de parler. C'est un de mes modes opérandi. Et je vais voir Kagirl et je vois que dans mon inventaire, j'ai une dose de morphine. Et donc, je peux lui tendre si jamais elle a vraiment mal. Je suis désolé, je pensais que t'allais... C'est vrai, je pensais que je courais plus vite. Non, mais tu cours très très vite, c'est pas le problème. Mais bon, désolé, et je tends la dose de morphine si jamais tu as vraiment trop mal. Prends ça, c'est ce que je prends lors de mes fins de ronde. Et je regarde mon costume et ma veste qui sont tout déchirés là où j'ai glissé, tu sais. Ça, je peux rien faire. Bah. Ton costume, il a résisté parce qu'il a été fabriqué en élastane et tout, fait pour résister. Et c'est Maniac qui l'a conçu, donc il résiste bien. Par contre, ta veste, effectivement, c'est la veste de ton mouvement. Elle est pas conçue par Maniac et donc du coup, elle a morflé un peu quand même. Ah, je suis désolé. C'est pas grave, merci. Ça va être triste, en tout cas, suite. Tu m'as sauvé, merci Smash. Bon, allons-y, on a d'autres gens à sauver maintenant. Ça en fait toujours 3 de moins. Est-ce que je peux contacter les autres, genre Maniac et Night Riot, eux genre, on par, a toujours un vocal. Vous avez toujours un petit ouais, link toujours, avec lequel vous pouvez... Vous voyez quelque chose, vous, d'en haut Moi, je vois la pointure de Maniac. Au du 44. Non, blague à part, je sais pas. On est posé sur le toit, donc moi, globalement, je vais essayer d'inspecter et de surtout tenir à l'œil ce qui se passe à l'entrée. Moi, en tout cas, c'est le réflexe que j'aurais, c'est de voir le reste de la team. Ce qui se passe à l'entrée, ouais. Du coup, tu regardes aussi ce qui se passe de l'autre côté. De votre côté, vous repérez qu'il y a... Qu'il y a une espèce de trappe sur le sol du toit qui peut permettre de s'infiltrer dans la pièce qui est juste en dessous et pouvoir rentrer dans le bâtiment. De votre côté, Smash, Liberty Dancer et K-Girl, vous avez d'autres personnes qui viennent vers vous puisqu'ils ont vu le barouf, ils ont vu ce qui s'était passé, ils tendent leurs armes et ils commencent même à tirer dans votre direction. Bon, attends, moi j'étais... Je suis pas du tout avec eux en fait. Je suis descendu de la voiture avant. Liberty, qu'ils... Elle est Ah, toi t'étais. Ouais. D'accord, moi, ok, donc toi t'es au loin. Toi t'es au loin. En fait, ils nous donc ont. C'est que Smash nous, et Kager. Ouais. Bah, on se planque derrière la bagnole pour prendre les tirs. Et, tout à fait. Et est-ce qu'on voit quand même Liberty Dancer au loin? Ou sinon, bah en vrai, je prends mon gun et puis je tire par-dessus le capot en mode à l'aveugle, tu sais, comme ça là. Tu vois, je tire en mode. Ok, ça marche, ça me va. Tu peux faire un jet de physique pour faire ça si t'as. L'adrénaline, ouais. Je peux récupérer de la résistance avec ça. C'est de la morphine qui t'a donné. Ça peut te permettre de récupérer de la résistance, ouais. Ok, parce que je suis un petit peu juste en résistance. 16 plus 7. Je vais accepter la morphine. 16 plus 7, tu tires un peu à l'aveugle au-dessus du Hummer. T'entends un mec qui tombe au sol et tout, t'en chopes un autre, t'as réussi à en éliminer deux. Apparemment, les pluies, les tirs pleuvent sur vous, ils sont en train de se heurter contre
contre la Night Mobile. K-Girl, est-ce que tu t'injectes la morphine du coup? Oui, ça risque de me sonner. Enfin, je sais quel effet ça va avoir ou pas? En gros, c'est juste pour endormir la douleur. C'est ça. Ça m'empêchera pas d'être efficace au combat. Enfin, en intervention. Justement, ça devrait t'aider un peu plus parce que ça potentiellement, ça va te faire oublier un peu de ta douleur. Ça a tendance à te galvaniser un peu, genre à oublier que t'as mal. Et... Bon, c'est plus le lendemain que tu vas te rappeler que t'as un corps. Et ben, je vais remercier Smash et m'adosser au Hummer tout en. Et dans le vocal, pendant que je me fais ma piqûre, telle une warrior, je demande à Night Riot si il y a des canons ou des armes quelque part dans sa voiture, dans le vide-poche peut-être. Est-ce que je peux intervenir à ce moment-là? Et justement la contrôler avec mon armure et faire sortir des petites pochettes, tu sais, comme dans Robocop, des trucs de en fait, le marché en fait caché des armes. Ouais, exactement, la voiture, est faite en armes. C'est ça. T'as plusieurs emplacements qui ressortent avec des guns bien alignés, très bien rangés dessus, avec les munitions juste à côté. Et donc K-Girl, Smash, vous gagnez tous les deux un point de pression. K-Girl, tu regagnes 2 points de résistance du coup avec la morphine. C'est de la résistance temporaire, évidemment. Et du coup, vous êtes en train d'échanger des tirs de votre côté avec les autres qui sont face à vous, qui tirent, qui eux ne sont pas du tout à découvert. Ils sont même plutôt à découvert et vos tirs ne manquent pas trop. Je vais vous demander des jets de physique d'ailleurs pour voir si vous touchez derrière. Liberty, que fais-tu de ton côté, toi qui t'es arrêté? 15 plus 7 pour manger Gold. Du coup, comme ils ont attiré l'attention de à l'avant, enfin je sais pas comment on est placé le bâtiment, mais en gros à l'avant du bâtiment, moi j'essaie de voir si je peux pas m'introduire par l'arrière du bâtiment. Parce que du coup, je me dis qu'ils sont. Ok. Se focus vers l'avant en fait. Super. Bah écoute, je vais te demander un jet de physique pour te faufiler. Oui. Pour te. Donc c'est mon dé. Tu peux faire 8, des pirouettes si tu veux être impressionnante en faisant. Ouais. En espérant que je me viande pas. Ouais, et puis pour la classe. Oh, un 15. Donc c'est ça. 8 et replus 8. Donc 16, donc 31. Pff, à l'aise. Et c'est un fumble complet, pour moi, je crois que j'ai percé un pneu. Ouais. Tu viens de tirer dans le pneu de la Night Mobile. Okay, et du coup, je la repose, elle est résistante. Hey. Alors, heureusement, elle est résistante, elle va encore... C'est ça, elle va encore tenir. Mais faudra pas s'amuser à faire ça trop souvent. Je regarde K-Girl, je récupère son flingue. Oui, je lâche comme ça. Je lui prends sa main et je lui remets le flingue dans la main. Et j'enlève bien le cran de sécurité et je lui montre avec mon flingue à moi, je tire en l'air et je fais. Comme ça. Je lui remets et je retire. Et vraiment, je prends son bras et je le mets sous le capot pour qu'elle tire aussi, tu vois. Bon bah j'essaye, mais je suis Smash, t'as entendu, toi, avec ton jet, en fait, t'en as éliminé d'autres. T'en as fait tomber un autre. Ok. Liberty, de ton côté, tu parviens, toi, à te faufiler. Tu passes derrière, ils ont l'air d'être vraiment focusés sur Smash et sur K-Girl. Et tu parviens à passer derrière et à trouver une espèce de petite entrée, un peu cachée, côté haut, côté du quai. Ok. Donc j'ai une vue en hauteur. Non, t'as pas une vue en hauteur. Le du quai. Non, côté de l'eau. Oui, oui. Voilà, O, mais j'étais O, H, H-A-U-T, je me disais quoi. Ok. Ok, d'accord. Et ben, du coup, j'essaye de trouver le moyen de monter, enfin, s'il y a un genre d'étage, un truc comme ça, à un moment donné, puisque... Si je me rappelle ce qu'on a vu sur l'écran, c'est quand même des cuves et après ils sont suspendus en hauteur. Du coup, en gros, j'essaie de trouver un endroit s'il y a un genre de premier étage parce que je me dis qu'ils seront à mon niveau quand j'arriverai au bon endroit, quoi. Donc je cherche. Ok. J'avance. Très bien. Donc tu trouves un moyen de grimper mais sans forcément rentrer dans le bâtiment, c'est ça? Ah si, je rentre. Ouais, non, je voulais rentrer dans le bâtiment. Non, je rentre dans le bâtiment si j'ai trouvé l'entrée. Je pensais que les pirouettes c'était pour me faire rentrer discrètement
à l'intérieur en fait. Bah, je le garde en tête pour si tu rentres. Donc tu parviens à rentrer plutôt discrètement, ouais. Et tu es en fait tu vois qu'il y a du monde un peu partout qui se balade dans l'entrepôt et toi t'es un peu tu sais tapis dans un derrière une pièce et tu sais c'est bureaux où t'as pas des murs complets, t'as des murs d'à peu près 1m20 de haut et au-dessus c'est des vitres, tu vois. Et donc, c'est assez c'est assez ouvert, donc du coup, t'es vraiment accroupi en train de progresser pour moins te faire voir. Naïterion, tu voulais dire quelque chose ? Non, c'est Kyr qui voulait dire quelque chose. Ah, pardon. Moi, tout en tirant, et à chaque fois que je tire, je ferme les yeux, tu sais. Et il y a le recul à chaque fois qui me fait. Et je dis est-ce qu'on donnerait pas notre position à la police ? Moi j'entends rien. Lady, j'adore cette musique. Je m'adresse à Tracker. J'adore ma vie, putain. Je m'adresse à Tracker un peu aux autres et tout. Et ouais, je vais essayer. Enfin, je demande si ça serait pas le moment de préciser aux forces de l'ordre où on est. Qui viennent préparer du secours pour hospitaliser tous ces gens qu'on est en train de blesser. Bah c'est toi qui as mon téléphone. Hein, donc il fallait qu'ils y pensent avant de nous tirer dessus. Alors santé. Voilà. Est-ce que de notre côté, Maniac et moi, on peut rentrer dans le bâtiment par l'espèce de trappe en haut? Tout à fait. Elle est pas fermée. Vous pouvez facilement l'ouvrir. J'ai une précision là-dessus. Justement, je me tourne vers Riot. Mm-hmm. Je dis bon, la trappe, c'est plutôt ton truc, boss. Moi, je vais faire du vol stationnaire au niveau du premier ou du deuxième étage pour essayer de visualiser directement la cuve d'acide et rentrer par les fenêtres. Ça marche. Très bien. Du coup, j'ai de physique techno. Potentiellement pour toi, Night Riot, et techno pour Maniac pour analyser. Oh, vin naturel. Putain, regarde un peu à l'écran. Ouais. Oh, magnifique. Oh là là. Là. Double vin naturel. Bravo. Oh là là, sublime. Nice. Sublime. Bravo. C'est vous à qui allez sauver tout le monde pendant que Smash et moi on fait du barouf. Et pour un total de 26. C'est super bien orchestré, la manière dont vous faites ça en plus, c'est magnifique. Knight passe par la trappe, il arrive là-dedans, hop, il fait pas un bruit. Tu vois qu'il y a un garde qui était dans la pièce, mais qui était pas forcément très attentif. Et hop, d'une petite clé de bras, t'arrives à l'endormir, quoi, grosso modo, à le foutre inconscient. Maniac de son côté lui se met à voler le long du bâtiment avec Evie dans sa tête. Il fait analyse en cours. Et, et donc, du coup, il commence à lui montrer sur sa visière en fait la vision thermique et la vision un peu en 3D aussi du bâtiment tel qu'elle l'a analysé. Et tu vois qu'effectivement, en plein cœur de ce bâtiment, il y a deux grandes cuves qui plongent. En fait, c'est un bâtiment avec au centre une pièce qui occupe les étages, tous les étages. Mm-hmm. Et en fait, il y a des coursives tout le long. Ok. D'accord. Est-ce qu'on Donc, potentiellement, là, tu peux foncer dedans et rentrer dans la grande pièce directement, si tu le souhaites. On sait combien de personnes il y a ? Moi, par exemple, combien de personnes viennent à l'intérieur ? Oui, globalement. Alors, ça change un petit peu parce que vous entendez toujours des tirs qui s'échangent à l'extérieur. Smash et K-Girl qui tirent sur les autres. Je vais vous redemander un jet de physique. Et pour info, 15 encore. 15 encore plus 7. Oh là là. Pour info, Smash, il y a des armes plein la bagnole. La bagnole est une arme déjà en elle-même. J'ai reposé, au lieu de recharger mon gun, je l'ai rangé et j'ai pris une des mitrailleuses. J'ai pris le bazooka. Et je prends les armes au fur et à mesure. Genre, je prends même pas la peine de recharger, tu vois. Genre, je. La portière, je pense même que, en fait, voyant mon inefficacité à moi, je vais m'occuper d'aller vider les différentes poches, différents vide-poches, différents coffres et tout, et c'est moi qui lui amène les armes. Je recharge. Pendant un temps, tu sais, t'étais en train de tirer, ça faisait un peu diversion. Ça faisait un peu diversion aussi, tu sais, ça donnait l'effet qu'il y avait plein de choses qui tiraient en même temps. La plus grosse, donne-moi la plus grosse derrière là.
J'ai lancé le lance-roquette. Tu te retrouves, Smash, avec un espèce de mini-gun que tu places au-dessus de la voiture, limite. Je traîne par terre. Et Girl, les limites en train d'amener les munitions, tu sais, t'as le truc qui tire comme ça, puis Girl est en train de faire rouler les munitions derrière, tu sais, pour que ça tire. Il commence à y avoir beaucoup moins de monde dehors, et du coup, tandis que donc Knight et Liberty, vous êtes à l'intérieur, vous entendez le patron qui fait « Les protecteurs sont arrivés !» Eh bien, qu'attendez-vous? Allez les chercher! Et donc du coup, il y a une partie des troupes qui sortent aussi pour aller à leur tour tirer contre la Knight Mobile. Oh là là, qui commence sans doute à faire front, des dégâts. Elle fait bien la diversion. Qui fait front, je vais... Alors... Ouais, elle a pris quelques dégâts, effectivement. Maniac, toi, tu serres un peu des dents en entendant tout ce qu'elle encaisse. Les larmes de sang. Moi, juste, la belle voiture. Mais vous êtes focus sur votre objectif. Liberty, de ton côté, tu as ceux qui étaient auprès de toi qui sont partis. Okay. Tu te retrouves à avoir le champ libre pour courir contre celui qu'on va appeler le psychopathe, mais que vous connaissez un peu, puisque c'est la figure, on va dire, c'est l'homme de main des Truth Seekers. Donc c'est pas le boss, qui s'appelle Waldo. Vous savez pas exactement qui c'est, mais vous l'avez jamais vu, vous savez juste qu'il s'appelle Waldo. Et lui, par contre, vous savez que c'est son homme de main qui aime bien orchestrer justement les mises à mort, etc. Mm-hmm. C'est lui que vous avez vu à la télé. Il adore être médiatisé. Et tu le vois qu'il a un espèce de détonateur dans la main pour déclencher potentiellement quelque chose. Et tu vois que tu as le champ libre pour aller vers lui. Okay. Pour la petite info, son surnom de super vilain, c'est Blood Mask. Voilà. Mm-hmm. D'accord. Et il a un masque de sang, du coup ? Il a une espèce de cagoule complètement rouge, un peu ensanglantée, qui dégouline. Ok, sympa. J'adore pas du tout le sort, c'est nul. Du coup, je dis dans mon oreillette, je te laisse après, je préviens tout le monde qu'en gros j'ai vu sur lui et où tout le monde se positionne. Alors je demande pas où se trouvent les deux divertisseurs et où se trouvent les deux autres. Parce que nos divertissements, bonjour. Voilà. Et je leur dis que j'ai bidule, j'ai Bloodwood devant moi. En visuel. Ok. Vas-y, Knight, du coup. Rien. Je suis la terreur, je suis la nuit. visuel, je confirme aussi, je l'ai en visuel et je lui donne l'info que je suis en hauteur. Est-ce que je suis en hauteur au niveau des cuves ou est-ce que je pourrais par exemple faire un night kick droit sur lui en lâchant des fumigènes depuis ma ceinture? Alors, il y a des gens autour de toi à ton étage. Okay. Tu vois qu'il va falloir que tu traverses quelques pièces avant de pouvoir accéder à la grande salle centrale. Okay. Mais tu le vois parce que tu sais c'est que des vitres, donc t'arrives à le visualiser. Potentiellement tu risques d'avoir quelques types à mettre hors combat sur le chemin, ou okay. À moins que tu trouves un moyen de faire diversion. C'est exactement ce que j'allais mais dire. Mais tu peux sauter en faisant un dropkick si tu veux aussi. Je reste quand même la révolte, je suis la nuit. Est-ce que je peux me prendre mon shot d'adrénaline? Combien de temps il dure? C'est 10 minutes. Capacités. 10 minutes, ok. Donc c'est juste social et mental à zéro pour 10 minutes, ok. T'en as pas besoin, ouais. Pour te battre. Alors, pour l'instant, c'est une, capacité spéciale qu'il a de son côté, je précise. Hein. C'est pas, c'est pas la jauge. D'ailleurs, à ce propos, Liberty, tu gagnes un point de pression supplémentaire et Knight également. Rappelle-moi à quoi sert la jauge. La jauge à n'importe quel moment, quand elle est pleine et qu'elle est à 5, voilà, vous pouvez l'activer et me dire je fais ça comme action, vous avez aucun jet, et peu importe le réalisme, vous réussissez. Justement, moi je veux péter ma jauge.
Je voulais faire à ce moment-là. donc maintenant que j'ai fait le vol stationnaire et que j'ai localisé un petit peu toutes les choses, ce que je voudrais faire, parce que je sais que Night Riot est au-dessus et que il est pas loin de faire une action à la Batman. Et donc, ce que je vais faire justement, c'est rentrer tout droit avec des fumigènes. Fumigène, mais okay. Genre couleur genre bleu électrique, quoi. Un peu assorti à mon costume. Et faire une vrille. Faire une vrille pendant que je suis en train de voler. Et de manière à ce que ça remplisse l'espace pour les ennemis. Parce que je sais que Night Riot, dans son costume, il a des lunettes Night Vision et qu'il pourra très bien passer au travers et qu'il pourra justement descendre avec sa ceinture pour aller récupérer. Et si possible, je vais aussi, avec mes viseurs, mes pointeurs laser sur les bras. Il y en a un qui est sur le méchant Blood Mask, ouais. et un autre qui alterne entre la maman et les enfants sur la histoire de. En fait, là, je fais diversion énorme. D'orienter en fait. Et d'accord. Orientation pour Night Riot et Liberty Dancer pour qu'ils puissent neutraliser les deux points. Très bien, mais c'est tout à fait possible. Tu utilises ta jauge d'adrénaline, donc c'est tout à fait possible. Quand tu disais là, tout à l'heure, le point d'adrénaline, c'est pour Smash ou pour moi? Parce qu'on est tous les deux Knight, donc... C'était pour toi. C'est pour moi, pour toi. Ok, donc je suis à 5. C'était pour parfait. Toi. Je suis déjà à 5 aussi. Smash et K-Girl, nouveau jet de... Alors du coup, juste pour Smash, vu que c'est toi qui tire, mais nouveau jet avec de... Avec un bonus. Qu'est-ce que je vois de physique. Avec le bonus d'équipe de K-Girl. En fait, j'aimerais juste savoir avant, qu'est-ce que je vois en face de moi là. Il y a plein de mecs qui arrivent, c'est ça? Ouais, ils ont fait, sorti, c'est, ils c'est... Nous guettaient, en effectivement, fait. Tu vois toujours des mecs et tu vois des lampes en fait qui sont tournées vers toi. Donc c'est un peu compliqué de voir le bâtiment parce que je rappelle vous êtes dans la nuit. Hein. Vous avez les lampes sur vous et t'essayes de viser un peu les lampes plus ou moins pour justement les tuer. Okay. Et t'as l'impression qu'il y a encore pas mal de monde, peut-être encore une bonne dizaine de personnes dehors. Alors j'ai une question. Mais le véhicule est blindé? Oui. Enfin. Il va foncer dans le bâtiment. Bah oui, exactement. Moi, j'allais te proposer de bloquer la voiture avec un nœud et de l'envoyer toute seule vide dans le décor. Mais. Mollo, vous savez le temps que j'y passe, moi, à bricoler ces trucs-là? Si tu veux monter dedans, je te suis. Mais là, c'est quasiment une épave. Là, c'est quasiment attends, une épave. Attends, vous en parlez ensemble et vous êtes sur le com ligne de tout le monde. Ouais. Donc, je vous interromps. Ouais, oh, Mollo. Mollo, là. La voiture. Je suis encore là. Attends, vas-y, aussi. En fait, j'ai une idée pour péter ma jauge d'adrénaline. Mais d'abord, je vais essayer de viser les lumières. Je sais pas si j'ai un bonus. Ça dit que j'ai un bonus, c'est ça? Si on est à deux, alpha. Bah oui, parce que. Oui, t'as le bonus de Kier, ouais. Ok. C'est ça. Parce que je t'encourage et je dis vraiment, là on est dans ton élément, vas-y Smash. 11, ça fait 21 au total. Fais tout péter. 21, ok. C'est ça. Donc ça c'était pour tirer ou pour faire ta manœuvre? Pour retirer sur les lampes. C'est ce que tu m'as dit. Okay. Donc ça tu parviens à tirer sur les lampes, il n'y a plus de lampes. Tu vois qu'en fait ils avaient placé certaines lampes, ça continue encore à tirer à certains endroits. Mais ils sont vraiment plus nombreux. Ok, ils sont plus nombreux. Mais t'as dit tout à l'heure qu'il y avait un mec avec une cagoule qui arrivait. Est-ce qu'il arrive dans notre direction ou il est encore à l'intérieur? C'est les autres qui le voyaient? Non, lui il est toujours à l'intérieur. C'était celui que Liberty voyait, ouais. Ok, je continue de tirer un peu comme ça. Et dès que je vois qu'il y en a plus trop, j'ai une autre idée en tête, mais je préviendrai Kagirl après. C'est ton action, hein, si tu veux claquer ton action héroïque, je te suis. Hein, mais je vais garder mon action héroïque. Enfin, je pensais qu'ils étaient beaucoup plus nombreux et j'avais une autre idée en tête, mais. Tant qu'on arrive à tous les deux à les gérer. Ouais. Alors, on va revenir du coup dans l'entrepôt. Mais c'est vraiment, je précise donc juste que c'est vraiment maniaque. Attends. C'est vraiment maniaque. Quand j'ai proposé l'idée, j'ai vraiment dit à K-Girl, on va prendre la bagnole et on va rentrer à l'intérieur directement et d'entendre le wow, mollo avec la bagnole. D'accord, ok. Bon, du coup, pour remonter le moral de Smash, je mets la musique à fond. Sur les enceintes.
Mais attends, la dernière musique qui restait, c'est Katy Perry. Donc là, on est en train de mitrailler les gens à base de I Kiss the Girl. C'est ça, girl, le c'est trop bien, c'est trop bien. Tu le maintiens. J'ai une action après pour. C'est magique. Magnifique. Exactement. Si tu pouvais mais passer sur du Miley, Miley Cyrus, hein, Wrecking Ball, ça serait Wrecking parfait. Ah oui, oui, oui. Change la playlist. C'est le maniaque qui a la bonne. C'est le maniaque qui a la playlist. C'est ça. Ben oui, tu me l'autorises avec ma jauge d'adrénaline en bonus. De changer. Oui. Et à ce moment-là, je prends mon grappin, je l'envoie sur le plafond et j'arrive. Tu vas suspendre comme ça. Exactement. Et je lui mets un 8 kick, mais en mode Wrecking Ball, tu vois. Alors moi, je vous préviens, les mecs, tout ce que je fais, vous faites des actions sans dire. Sur le travail d'équipe, mon cul lulu, quoi. Si, nous on travaille alors, vachement avec toi. On va prendre les personnes une par une et tout va se faire en simultané. Ce qui se passe dans le bâtiment. Donc, Lucien m'a expliqué tout ce qu'il allait faire. Donc, ça marche. Il y a le feu d'artifice de fumigène qui sort avec des lumières bleutées, des lasers qui sortent dans tout ça, etc. C'est un peu discothèque dans l'entrepôt. Clair. Surtout qu'il met la musique. Tandis que la musique. Fond. I came in a wrecking ball. C'est un spectacle de son retentit dans tout l'entrepôt. Night, toi, tu te précipites pour sauter, balancer ton grappin et faire un kick en même temps sur Blood Mask, c'est ça? Avec mon shot d'adrénaline. Avec ton shot d'adrénaline. Exactement. Okay. Donc du coup, je vais te demander un jet de physique pour ça. Et Liberty, de ton côté, toi, tu fais quoi exactement? Non, en fait, je voulais tracer sur... En fait, l'idée, c'était je voulais sortir mon lasso pour essayer de... Alors, suivant la distance où je suis, soit je me rapproche, voilà. Mais pouvoir lui faire perdre le... Lâcher le détonateur. Ouais. Ok. Donc un jet de physique également pour toi, s'il te plaît. Et je voulais claquer ma jauge pour faire ça, là. Ça marche ou pas? Faut quand même faire. Ah bah oui, un bah jet. Du coup, pas de jet. Pas de jet voilà. Physique, du ouais, coup. Il l'a plus du tout dans la main, ouais, comme ouais, ça. Voilà. Ah ouais, et le shot qui va prendre dans la gueule, en plus, voilà. Derrière. Donc... Tu voulais compléter l'action, Ned, de ton côté ou pas? Ben en fait, si elle prend le lasso, moi je suis déjà engagé maintenant, je suis déjà en train de descendre en mode genre « Oui !» Mais il va se prendre un c'est ça. À travers le brouillard, à travers la nuit, à travers les ténèbres. I am the night. Je suis la révolte. Donc, moi, dans mon idée, pardon, Night Riot, elle est plutôt sauver les deux, les civils, quoi. Et en cours de route, je corrige ma trajectoire. Avec le grappin et les attraper, tu sais, comme ça, et les sauver le soleil de la nuit, quoi. C'est pas ça qu'il a décidé, tu vois. Damn it. Ok. C'est pour ça que j'indiquais. Enfin, pardon. Je dis ça parce que c'est pour ça que j'indiquais le méchant et les deux gentils à aller sauver. Que vous répartissiez là-dedans. Pour nous orienter tous les deux. Ne soyez pas deux à faire la même chose, en fait, en gros. Enfin, voilà. Après, est-ce que je peux corriger la hauteur de mon grappin entre temps pour essayer de choper Est-ce que je peux ta jauge d'adrénaline pleine? Est-ce que je peux utiliser ma capacité spéciale into ma jauge d'adrénaline pour corriger cette erreur? De toute façon, j'allais t'accorder un point supplémentaire de pression si tu n'étais pas encore à fond sur ta jauge d'adrénaline. Normalement, ça t'amène à fond sur ta jauge, non? Ouais, je suis déjà à 5. Tu peux faire ça avec ta jauge, il n'y a pas de problème. Ok, ça marche. Eh bien, c'est parti. Direction le sauvetage. Ok. C'est ça. Le sauvetage, donc. Pas de jet pour toi, Night Riot. Liberty, toi, tu as réussi à désarmer Blood Mask avec ton lasso et Blood Mask qui voit que tout ceci ne lui plaît pas. Tu vois qu'il avait deux boutons aussi au sol et qui dit le bon public de Chicago avait choisi, oui, ils avaient choisi que la procureure était une bonne procureure mais certainement une très mauvaise mère, et il appuie sur le bouton qu'il avait au pied. Il a des problèmes familiaux, lui. Hein. Ouais. Mais, pendant ce temps-là, Knight, de son côté, lui, avait volé un peu au secours des autres. Donc, il a beau appuyer dessus. Tu vois que. Et effectivement, il n'y a rien qui tombe dans les cuves. Donc, il se tourne vers toi, Liberty. Il sort un couteau
deux couteaux et il court vers toi. Vas-y, j'ai pas peur. Nice. Bah, je vais lui péter sa gueule, écoute, il a décidé. Est-ce qu'il a fait une phase S-Ledger dans Dark Knight où il fait... C'est un peu ça. C'est clairement sur ça. Sur le bouton au pied, tu sais. Et après, il y a le bug. Ça, donc lui, ça marche, par contre. Et du coup, exactement je me batte contre lui. Mais comme j'y vais en mode... Ouais. Genre, je me sacrifie pour tout le monde. Est-ce que je pourrais même utiliser abnégation en bonus? Oui, tout à fait, tu peux. Tu peux utiliser abnégation. On va faire une petite pause sur cette action-là. Je te laisse réfléchir exactement à comment tu fais ton action. Et pendant ce temps-là, on revient à K-Girl et Smash qui sont toujours avec la voiture. Il y a plein de grand monde. On arrive bientôt à court, il n'y a bientôt plus rien. Quand il n'y a plus personne, il y a ce... Dans la voiture. Alors, il y a toujours la musique dans la voiture qui est en fond. Et le Gatling qui tourne, tu sais, dans le vide, il n'y a plus rien, il n'y a plus de balles. Ouais. Et si je vois qu'il n'y a plus personne, en vrai, tu sais, je regarde un peu K-Girl et... Il n'y a plus personne. Et je suis bon, bah, on va peut-être aller rejoindre les copains. Hein. Il faut qu'on arrête les méchants avant qu'ils s'enfuient. Je propose qu'on guette ça. Maniaque, la voiture n'a absolument rien du tout. Diagnostic et moi, en cours. Je coupe le com et je dis c'est un peu un mensonge là, quand même, tu sais. Tracker pirate les informations. Je regarde la voiture et je dis elle peut rouler ou pas la voiture K-Girl? Ah oui, elle peut rouler, bon. Oui. Bon bah elle est pas cassée. Clairement elle a pris quand même pas mal cher. Elle a peut-être deux pneus pétés du côté ou du côté où il y avait les ennemis, les pneus sont complètement à plat et il y a de multiples trous de multiples impacts, gros impacts même dans la carrosserie. Mais elle a tenu, quand même elle a tenu. Okay. Disons qu'elle a perdu la peinture, quoi. Si jamais il y a des survivants, en tout cas dès qu'ils ont l'air de bouger encore, je vais les attacher. Ok. Okay. Vraiment qu'on a encore l'air de respirer. Ça prend peu de temps pour moi qui suis une pro des nœuds. C'est très rapide. Je me prenne avec ma corde, j'en accroche un, C'est assez rapide parce que tu te rends vite compte que l'état dans lequel Night Smash les a laissés après avoir fait sa tuerie de masse, c'est pas dans un très bel état. Il y en a un tellement il a bouffé de balles sur lui, il en a perdu la moitié de son corps. Donc c'est. Et on appelle cette recette dans ma famille le hachis parmentier. ils vont plus trop bouger ceux-là alors. C'est du hachis ou le Gloobie Boulga, ça dépend où. Non, puis moi je vais essayer de rentrer par la grande porte. Hein. Bah ouais, je claudique un petit peu parce que je suis toujours pas en super état, mais je claudique derrière. Liberty, on revient à toi. Donc Knight, de ton côté, tu as réussi à choper les deux gamins, la maman, et à arriver de l'autre côté. Et Maniac, lui, est au sol, il est « Ouais, trop bien !» avec la musique « Akimé, Rakimé, Kimball !» Et Liberty... Énorme. Je t'invite à faire ta description. Alors du coup, en fait, moi, je voudrais... Sur ce que tu veux faire. Du coup, je voudrais... je pense faire... vraiment genre un coup martial, entre guillemets, ou un truc style flip-flap de Chun-Li, ou un truc comme ça. Enfin, un truc à base de coups de pied pour lui taper les mains. Mais j'aimerais quand même pouvoir prendre un appui sur lui via mon lasso, en fait. Alors, je ne saurais pas comment décrire précisément l'action, mais genre potentiellement lui... soit... Attends. Parce que je voyais lui saisir la gorge avec mon lasso. Tu veux avoir ton lasso en l'air? Ah non, ah d'accord, ok. Tu peux essayer de le saisir avec ton lasso. Saisir avec mon lasso, mais je voulais en même temps pouvoir lui mettre un coup de pied. Alors soit je le tiens d'un côté... pour qu'il penche d'un côté entre guillemets et que ça le déstabilise un peu et lui mettre un coup de pied sur l'autre main, tu vois. Ce qui fait qu'il penche un peu c'est peut-être une action trop complexe. Tandis qu'il est en train de courir vers toi, tu peux tout à fait lancer ton lasso, l'attraper, l'attirer vers toi et dans l'élan de l'attirer vers toi, lui foutre un coup. Voilà, faisons ça. Quelqu'un a vu le dernier épisode donc de du coup, mon dé plus physique plus abnégation. Oui. Il y a pas de pirouette, hein. Il y a pas trop de pirouette là. Ouh, 19.
plus 12. Et bah, donc, qu'on veut. 31. Tu. Allez. Tu l'as. Tu, en fait, disons que les autres à côté se sont dit il faut aider Liberty. Et. Bah non en fait. Tu t'as littéralement chopé le mec par le bras, tu l'as tiré, et tandis que tu l'as tiré, en faisant ton abnégation en fait tu l'as tiré, alors le couteau est venu vers toi, mais dans le même temps tu sais tu t'es jeté toi avec le genou en avant et tu lui as ravagé le visage à coups de genou, ce qui fait qu'il tombe au sol, le visage en sang. Avec totalement inconscient. Et par contre, tu as son couteau planté dans le flanc, donc tu perds un point de résistance. C'est pas grave. Et je lui dis, tu vois, c'était pas la peine de mettre une cagoule ce soir, t'allais saigner de la tête. Voilà. Oh la vache. Oh là là là. Oh la punchline. Et de derrière, dans la fumée, elle... tout le monde entend. Ouh. On est au haut-parleur, là, tu vois. Très bien, voilà. Super. Et du coup, eh bien, dis dans on le va passer en mode ennemi neutralisé. Ennemi neutralisé, parfait. On va passer en mode épilogue parce que vous avez fini ce scénario, vous avez accompli ce scénario. Ah, félicitations nice. À vous. Bravo à tous. Bravo les meilleurs. Moi, je vais récupérer les enfants, les enfants pour la procureure. Ouais. Ou à moins que je prévois dans l'épilogue, mais le diagnostic de la voiture. Diagnostic de la voiture. Alors, je vais faire l'épilogue, je vais l'intégrer dedans. Après cette scène de guerre, hein, littéralement, hein, on va appeler ça une scène de guerre. En tout cas, pour ce qui s'est passé pas devant l'entrepôt, tu vois. C'était pas une guerre. Après cette scène de guerre, vous avez donc récupéré la voiture. Après coup, mais avant ça, vous avez récupéré aussi donc la procureure, ses enfants, son mari qui était enfermé dans une salle un peu plus loin également. Vous les avez tous récupérés et vous avez pu arrêter également donc Blood Mask, l'attaché, pour le livrer aux autorités. Il y a Tracker de son côté qui vous dit. Ouais, bravo. Bon, c'est quand même un sacré bordel. Vous devriez peut-être décamper avant que les flics débarquent. Hein, Smash, tu vois au-dessus, tu remarques, pendant qu'il est en train de dire ça, tu vois qu'il y a différents drones, en fait, au-dessus de la zone. Tu reconnais, en fait, les drones de Tracker. Ouais. Ah, c'est les drones de Tracker, ok. D'accord. D'accord, non, ouais. Bah, je croyais que c'était genre, des hélicoptères, des flics, ou un truc comme ça. Non, c'est les drones de Tracker. Tu m'as pas non plus de fumigène, donc à la limite, on peut se barrer en mode un peu ninja, tu vois. Mais par contre, Tracker vous glisse. J'ai tout filmé pour faire la pub sur YouTube. Bien, Tracker. Bien. Bravo. Je vais te péter les doigts, Tracker, si je vois une seule image sur YouTube. Je dis juste, YouTube, c'est Asmin. Je suis en live sur Twitch. Ah, il est en sur Twitch. Ah, j'avoue, c'est trop stylé, le héros en mode Iron Man. Qui est mais en grave. Direction Twitch, j'ai un routeur, alors... un cul dans l'armure. Oh Marvel, prenez ce stylo, dans le... Tu peux en catégorie IRL dans l'armure. En just chatting. Dans l'armure, tu entends Evie. Et donc là, j'ai balancé une grenade. T'entends Evie dans l'armure qui dit « Merci Lindori pour les 5 abonnements. » Et pendant la mission, ils désactivent les notifications et à la fin, quand la mission est finie, c'est ils ça. Réactivent. Fin de mission, ils remettent les notifications. Et à propos de la voiture, Ellie te donne le diagnostic. Question, mais est-ce que tu as link des armes par rapport à des événements des points de chaîne? Parce que genre, par exemple, s'il y a des subs offerts, ça lance des mini-missiles et tout, ou genre c'est comment ça se... Il change les lumières de ton armure. Il a le chakabot. Quand les gens demandent des récompenses de la chaîne, il y a des missiles. À chaque sortie, il y a un donation goal. Passer un certain donation goal, tu sais, t'as la vision nocturne ou la vision thermique qui s'active. Je veux cette chaîne en vrai. Genre, en fait, tous les subs, c'est ceux de Vayne. C'est des gens qui sont payés pour. C'est ça. C'est les fameux bots que j'ai pas su. C'est les bots. C'est comme ça que tu le finances sans qu'il le sache. Exactement. Putain, mais t'as trop. Putain. Détourne l'argent de Twitch. Complètement. Du coup, l'analyse de Davy sur la voiture dit analyse en cours. Voiture état de fonctionnement correct.
état esthétique incorrect. État de fonctionnement sur longue durée incorrect. Diagnostic. Nécessite environ 100 heures de travail à vous tout seul. État émotionnel incorrect. Je sens votre rythme cardiaque s'accélérer. Spatiale, colère. Voulez-vous une injection de morphine? Ça veut dire qu'il va falloir rouler prudemment. J'envoie juste un petit, tu sais, un mini drone de combat là, faire juste une balayette à Night Smash. En loose dé. Nickel. Et bien du coup, c'est dans cette Night mobile que vous repartez, même si elle est un peu brinque-ballante, en direction de d'une de vos planques. Et tandis que vous entendez au loin la police arriver progressivement sur les lieux. Et c'est là-dessus donc qu'on va arrêter notre partie. J'espère que ça vous a plu, ouais, que vous êtes amusé. C'est bien marrant. Cool. Ben merci beaucoup. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous accueillir ici. Pour tout ce que t'as préparé en amont et tout, là, la petite vidéo et tout, là, c'était vachement cool. Ouais, trop cool. Ouais, ça donnait trop envie. Cool, avant même qu'on commence à jouer. Bravo pour le taf, ouais. Mm-hmm. Que ce soit notre générique. Avec grand plaisir. C'est, voilà. On est des vrais héros. Je me suis bien amusé, ouais. On est vraiment sur Twitch. On s'habitue vite. On s'habitue vite parce que quand t'as dit, il y a les fréquences, la télé qui est détournée, machin piraté, avec la communication du méchant et les bacs d'acide. Ouais, moi je quand tu l'as narré, je me suis dit, bah, franchement, il aurait pu mieux faire. je m'étais grave habitué à. Putain, il y a de la vidéo, il y a des trucs dans le monde. Oh merde. J'ai dit qu'il y avait une vidéo pour cette partie-là, mais comme je ne savais pas exactement à quel moment vous alliez le faire et comment ça allait se faire, c'était un peu compliqué. Mais, petit spoiler, il y a un générique de fin. Oh, voilà. À la fin des crédits, à la Marvel. Voilà, avec des crédits, exactement. Il y a des crédits aussi, tout à fait. Il y a une scène post-générique. Il y a une scène post-générique. Non, il n'y a pas de scène post-générique, j'ai plus le temps. Moi, j'aimerais juste voir la tronche, tu sais, des flics qui arrivent sur la scène, tu vois. Genre, vraiment, ils ont tendance. J'en ai marre de ces héros, j'en peux plus. Le bordel, là. Comme souvent. La tronche des flics, vous avez eu un aperçu au début, juste après le générique, où justement vous aviez le résumé de vos aventures de la nuit précédente, où vous voyez qu'il y avait un petit reportage avec les flics qui sont en train d'enquêter, chercher dans tous les sens, comprendre ce qui s'est passé, etc. Désolé, mais j'ai rigolé, parce que moi, ça me fait beaucoup rire, les doublages de voix française. Ah mais j'avais fait exprès, hein. C'était clairement fait exprès. C'est genre, je sais pas si vous connaissez, mais tu vois le sergent Pepper, tu vois. Mm-hmm. Le sergent Pepper avec KD Olivier, ça me fait mourir de rire, tu vois. Les mecs, t'as raison que les mecs en anglais ils disent que de la merde, et que t'as un gars qui fait alors ouais la semaine dernière j'ai demandé du poulet. J'avais absolument pas pris, j'ai absolument pas pris le son de base de la vidéo que j'ai récupéré. J'ai tout réenregistré, et la voix en anglais et la voix en français. Ah ouais, j'ai tout refait. Mais oui, en fait, je me suis posé la question parce que je me suis dit, soit il a cherché un truc qui parle de narcotiques et tout ça, soit il y a du level. J'écoutais, je faisais attention. J'ai tout fait. Et j'entendais des trucs sur la drogue et machin. J'ai tout fait. J'ai essayé d'écouter un peu aussi. Avec les voix différentes pour chacun. Mais il manquait quand même une voix à Alex qui disait, franchement, j'ai trouvé que c'était une meuf pas très cool finalement. Elle est un peu bonne. Alors, c'était pas la voix à l'annexe aussi poussée, mais j'ai fait cette voix un petit peu sur un des deux, deux témoins. Le deuxième qui avait l'air d'être en descente de crack. Complet. Tout tremblotant. Bon, pour ce qui est de la rediffusion de ce qu'on a vu ce soir et de ce qu'on a vécu ce soir, vous pourrez le retrouver dès la semaine prochaine sur YouTube, sur notre chaîne donc Les Dés Sont Jetés. Ce sera en deux parties. Et ce sera pour notre cadeau pour cette fin d'année, pour Noël, et pour vous souhaiter une bonne fin d'année. On vous invite à nous suivre, si ça vous a plu, à suivre aussi nos aventures régulières. Alors, je suis le MJ régulier également. Voilà. Et puis... Followez, clochez, abonnez-vous. Voilà. Grâce. Merci. Abonnez-vous, c'est trop chouette. Et aussi sur YouTube. Et puis merci à tous d'avoir accepté de participer à ce one shot.
Pour une fois qu'on est joueurs. Certains d'entre vous... j'ai joué qu'avec DMJ ce soir, c'était marrant. Ouais, merci pour certains pour d'entre vous, ça nous change de côté. Mais ça fait plaisir. Du coup, merci beaucoup. Je me suis beaucoup amusée. Merci à tout le monde à la table. Hein. C'était trop chouette de jouer avec vous tous. Merci. On en fera d'autres, c'est des concepts, toujours sur des thèmes différents. On essaye toujours des thèmes différents. On avait fait South Park, notamment, et on avait fait aussi la mythologie grecque. Voilà. Donc, tout est dispo sur YouTube, hein, n'hésitez pas à aller voir. Et y a d'autres sujets qui sont dans les tuyaux. Y a d'autres invités qui sont aussi dans les tuyaux. Donc on va essayer de sortir ça vite, prochainement. Vite, envoyons les super-héros les libérés dans les tuyaux. En attendant, on va peut-être, si vous voulez, faire un petit débrief en off. Je vais lancer le générique de fin. La fin du live. Je vous remercie à tous d'avoir été présents ce soir. Merci pour les follow en masse. Merci pour les abonnements. J'ai vu que notamment Lindori avait balancé des abonnements. Merci Lindori. Merci énormément. Merci. Voilà. Et puis, prenez soin de vous, amusez-vous. Mais n'oubliez pas, les dés sont jetés. C'était Goldie et tous les invités pour le bac à sable. On vous fait des gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao. Et c'est le générique.